chez soi, faire ressentir à celui qui passe qu'il est chez lui, mettre en valeur le patrimoine et le terroir, tels sont les objectifs qui ont motivé la création de la Fédération nationale des gîtes de France. Une initiative qui date de 50 ans déjà et qui fait des gîtes de France le premier réseau européen du tourisme vert chez l'habitant. Les années 1950, qui coïncident avec la période dite de reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, font émerger un problème nouveau dans les campagnes. La désertification et le délabrement de l'habitat. La question du devenir de cet habitat se pose avec acuité. C'est alors que germe, en 1951, l'idée d'une restauration des fermes et bâtiments désertés par l'exode rural pour les proposer aux citadins en quête de verdure et de tranquillité. Un travail de réflexion confié au sénateur des Basses-Alpes, Émile Aubert, associé à Raymond-Julien Pagès, aboutit en 1952 à l'officialisation des gîtes de France. La réussite de cette formule, expérimentée dans quelques départements, amène la création de la Fédération nationale des gîtes de France le 22 janvier 1955. Par la suite, il se crée des structures départementales appelées relais. Raymond Julien Pagès, propriétaire de la verveine du Velay, était aussi à l'époque président de l'Office de tourisme local. Il fut, dès la création en 1955, un des membres fondateurs de la Fédération nationale des gîtes de France. Il devint, et pendant plus de 10 ans, le président et le principal animateur. La Fédération nationale des gîtes de France est, au demeurant, un mouvement associatif qui reste attaché aux objectifs fixés dès ses origines. Favoriser et satisfaire les séjours touristiques, valoriser et conserver le patrimoine et l'environnement rural. Compte tenu de l'implication de Raymond-Julien Pagès, la Haute-Loire est intimement liée dans l'histoire des gîtes de France. Et c'est tout naturellement que cette activité a pris son essor pour faire du département une des régions principales abritant les gîtes. Située aux confins du Massif central, dans un décor de volcans et de paysages pittoresques, la Haute-Loire s'avère être une région idéale pour des vacances au calme, au cœur d'un environnement mémorable. Au sein de cette nature paisible, s'est développé depuis quelques décennies un tourisme vert rendu possible grâce à la présence locale des gîtes ruraux. Devenue activité économique à part entière, la construction des gîtes, ici comme dans l'Hexagone, propose différentes formules pour satisfaire les besoins de la clientèle. Les touristes trouvent ici les structures allant des gîtes ruraux aux chambres d'hôtes et gîtes de séjour, chacune ayant ses spécificités. Un gîte rural est une maison de vacances indépendante, située en espace rural et disposant d'un terrain attenant. Soyez les bienvenus. Cet hébergement, intégré à l'architecture locale, participe activement à la conservation du patrimoine. Il est destiné à accueillir des familles durant les vacances ou les week-ends. La chambre d'hôte, quant à elle, se trouve chez l'habitant, dans la maison même du propriétaire ou, plus rarement, dans un bâtiment indépendant. Cette structure peut s'adapter en table d'hôte, une formule réservée exclusivement aux clients hébergés qui permet d'apprécier les produits du terroir, la cuisine régionale et favoriser les échanges avec le propriétaire. Le gîte de séjour est conçu pour l'accueil de groupe. Aujourd'hui, la Haute-Loire a su développer ses différents hébergements touristiques. Une diversification perceptible, entre autres, à travers la richesse du patrimoine architectural local. Maisons de vigne, anciens bâtiments agricoles, maisons de béate, écoles, moulins, tels sont les différents types de bâtiments qui, après rénovation, se transforment en gîtes. Vous êtes dans un ancien couvent du XVIIe siècle, le Clos Saint-François. Je suis la propriétaire Karine Chouvet. L'année dernière, j'ai ouvert pour la première fois mon établissement. J'ai pu donc faire des contacts, des relations, et ces personnes-là m'ont apporté beaucoup sur le plan à la fois professionnel et aussi à la fois contact et humainement parlant. C'était vraiment très très chaleureux et beaucoup beaucoup de gentillesse et de relations que j'espère reviendront cette année et pourquoi pas avec d'autres amis pour faire connaître le lieu. L'expansion des gîtes montre à bien des égards que cette activité qui associe l'économie et la dimension humaine a trouvé en Pays Velave un terrain favorable à son épanouissement.
créer les gîtes, donc nos chambres d'hôtes, n'était pas difficile, hein, parce que les Gîtes de France nous a bien aidés dans le département. Surtout, ce qui était très agréable, c'est les relations humaines qu'on a avec eux. Une propriété, ça s'entretient, un patrimoine, ça s'embellit, et je dois dire, les subsides qu'on tire, les revenus que l'on tire des locations, nous permettent précisément de faire face à toutes ces dépenses qu'on n'avait pas forcément prévues au moment de la retraite. Le gîte permet d'accueillir les gens de toutes les régions de France et même d'ailleurs, et de valoriser en fait la propriété et le patrimoine que l'on peut transmettre à ses petits-enfants. Véritable structure d'accueil, les gîtes de Haute-Loire combinent à la fois le confort, la souplesse et la convivialité, autant d'exigences qui sont en phase avec les normes définies par la charte. La Haute-Loire est donc, comme on peut le voir, un pays de gîtes, favorisé par son patrimoine architectural et touristique. Fermes, maisons de vigne, moulins, tout type de bâtiment peut devenir un gîte. Aujourd'hui, créer un gîte devient plus facile. En effet, le département dispose d'une structure destinée à aider et encourager les particuliers. Initié dans les années 1955, dans la dynamique nationale, le relais des Gîtes de France Haute-Loire est actuellement installé au Puy-en-Velay dans l'enceinte du Conseil Général. Fort d'un personnel dynamique et disponible, ce service départemental a été créé dans le but de favoriser l'expansion des structures conformément à la charte définie dès les origines. Les services du relais proposent ainsi aux particuliers et futurs propriétaires un accompagnement, des conseils et une aide nécessaire à la mise en place et à la réalisation de leur projet, ainsi qu'un suivi de leur hébergement. Je voudrais créer un gîte rural. Un propriétaire qui adhère aux Gîtes de France bénéficie de toute la promotion des Gîtes de France par l'intermédiaire des guides que nous mettons en place. Également, nous avons de nombreuses actions de formation et d'information auprès des propriétaires de gîtes, et nous l'encadrons pour toutes ces démarches administratives, juridiques et fiscales. Également, s'il souhaite rénover son gîte, nous pouvons l'aider pour le conseiller pour l'aménagement. Cet accompagnement vise une simplification des démarches et une souplesse qui rendent accessible la création de gîtes. Des réunions d'information générales sont organisées pour répondre aux attentes des particuliers et futurs propriétaires. Les services du relais de Gîtes de France nous ont été extrêmement utiles et bénéfiques pour réaliser nos deux gîtes, que ce soit sur le plan de la décoration intérieure, les aménagements extérieurs, les équipements, équipements intérieurs bien entendu, literie, tout ce qui est nécessaire pour les vacanciers, mais également les équipements extérieurs, les barbecues, la manière de définir les aires de villégiature, etc. Oui, c'est indispensable d'avoir recours aux Gîtes de France pour réaliser le projet. La réalisation du gîte par lui-même a été relativement facile, puisqu'on a été pris en main dès le départ par les relais Gîtes de France, qui nous ont permis de monter le dossier financier, les plans. Et après, la réalisation s'est faite assez bien, ce qui nous a permis de réaliser ce gîte que vous voyez aujourd'hui et qui nous permet de recevoir des gens de l'extérieur au département et qui trouvent le coin d'ailleurs très, très agréable et très joli. Et ça nous permet, nous, par contre, avec le bâtiment qui existait déjà, de mettre un peu de vie et un petit peu de mouvement dans ce petit village. Et puis voilà, donc c'est très intéressant pour nous. Il existe effectivement des subventions du Conseil Général et du Conseil Régional qui vous permettent de concrétiser votre projet. Et ces subventions sont accessibles à tout créateur de Gîtes de France. Et en fait, ça donne une visite des bâtiments sur le terrain pour rencontrer les particuliers permet au relais de proposer des services de conseil en termes de rénovation architecturale et d'homologuer les structures qui bénéficient ainsi du label Gîtes de France. Le label Gîtes de France, c'est le premier label européen de vacances en milieu rural. Tous les hébergements sont sélectionnés suivant une charte de qualité et doivent correspondre à des critères d'aménagement. En général, ils sont situés dans un environnement calme, préservé, en milieu rural.
L'image de marque des Gîtes de France s'est forgée tout au long des années grâce à une volonté et un dynamisme des collectivités et des particuliers. Les Gîtes de France, c'est une histoire dans laquelle s'harmonisent l'économie, la conservation du patrimoine et le développement de nos campagnes. Une histoire qui confirme la satisfaction des particuliers qui ont pris l'initiative de créer leur structure d'accueil. Réaliser un Gîte de France à la dimension de votre imagination contribuera, je l'espère, à pérenniser cette histoire. Mais Gîtes de France nous a envoyé des conseillers, nous a envoyé des gens qui nous ont véritablement, d'abord motivés un peu plus encore, mais ensuite qui nous ont donné vraiment les meilleurs conseils qui soient pour pouvoir améliorer à la fois l'extérieur mais aussi l'intérieur de nos gîtes, que ce soit au plan de la décoration, de l'équipement, des moyens à mettre à la disposition des vacanciers, et puis pour l'accueil, etc. Donc je crois que c'est... Pour moi, c'est un conseil que je donnerais à toutes celles et ceux qui souhaitent réaliser un tel projet.